Mathieu, où est-ce que tu es? Je suis revenu avec Dolores Cannon. Ok. Comment formuler ça? J'ai l'impression que le sujet n'a pas commencé pour elle. Moi, je sens une densité, quoi. Je trouve que c'est lourd. Bon, après, on coupera ça. Je sens une densité. Alors, je sais pas, peut-être qu'il faut qu'on monte encore un peu plus nos vibrations. Je trouve que ça manque de fluidité. Alors, elle me dit, c'est comme si là on avait balayé le sujet, si tu veux, sans avoir réussi à mettre le doigt sur ce qu'elle voulait nous montrer. Et que elle, ce qu'elle voudrait, c'est qu'on fasse un cercle autour d'elle et qu'elle nous montre le point important. Ok, bon alors on va faire ça, on va voilà, se mettre tous les quatre là en cercle, on va monter un peu plus nos vibrations. Prendre un temps pour s'harmoniser. Remercier Dolores d'être là au milieu du cercle et de nous montrer ce Alors, qu'elle veut nous montrer. un reptilien. Tu vois, là, elle me dit bah, pourquoi c'est un problème. Parce que tu vois, quand je dis. Bah, vas-y. Non, c'est qui, Mathieu, continue. Non, parce que tu vois, elle nous amène un reptilien et c'est comme si inconsciemment je me dis, mais. Et tout de suite, je me suis dit, mais attends, est-ce qu'elle n'est pas interférée? Elle est pas. Qu'est-ce qu'elle vient foutre avec lui? Qu'est-ce que. Elle me dit, même, tu vois, ça, c'est un peu un souci. Que on ne voit pas la possibilité. Parce qu'on pourtant, on sait bien qu'il y a plusieurs factions chez les reptiliens, que certains sont très positifs. Mais c'est comme si, même dans le côté ésotérique, spirituel, comme tu veux, on avait quand même des clichés ou des. Un reptilien égale un méchant, tu vois. Et elle me dit déjà, il faut qu'on travaille là-dessus. Tous, hein, pas juste nous, là. C'est marrant, comme si elle me disait que dans cette région géographique des multivers, on avait principalement affaire à des reptiliens qui étaient involutifs, mais que la très grande majorité dans les multivers, ne sont pas du tout involutifs. Nathalie? Et qu'est-ce qui fait que, justement, on attire plutôt ces reptiliens involutifs-là? Non, c'est qu'ils sont. Ils Bon, sont là, ils étaient là, quoi. ils ont venu mettre la pagaille et puis. C'est une faction, en fait, c'est même pas une faction de reptiliens, c'est une faction de mercenaires, d'êtres qui, justement, ouais, qui sont venus, un peu des espèces de bandits de grand chemin, qui sont venus prendre, piller, et puis ils seront chassés, et puis ils iront ailleurs, et puis. Un peu, tu sais, comme des pirates qui, sur les mers, attaquent tout ce qui passe, et puis vont se servir, et puis. Qui se font chasser pour revenir plus tard. Oui, Florent. Ouais, alors effectivement, quand je suis retrouvé devant le reptilien, c'est marrant, j'ai une énorme sensation comme presque une envie de pleurer, comme si il y avait une résonance en moi de cet être, de ce reptilien. Et qu'elle est vraiment cherchée très profond. Et moi, ça me montrait, elle me montrait en fait leur vie plutôt, dans le sens où c'est comme si c'était un peu comme nous, ils avaient besoin en fait aussi de manger. C'est un peu dur à dire, mais ils ont besoin de ça aussi. Enfin, c'est comme si eux étaient dans cette notion-là, en fait. Mais c'est nous qui cataloguons ça comme le bien, le mal, finalement. Mais ils avaient aussi besoin de ça. D'accord.
C'est comme si, dans ce qu'on appelle le cerveau reptilien, c'est comme si dans... ils avaient intégré une partie d'eux en nous, et que cette partie, on ne peut pas l'enlever. Mais c'est comme si on pouvait, entre guillemets, voilà, remplacer cette partie-là en allant voir d'autres reptiliens, d'essayer d'aller voir ce qu'il y a de bon chez les positifs, si tu veux, chez les évolutifs, au lieu de se focaliser sur la faction involutive. Et le deuxième point, c'est ce qu'a dit Florent, effectivement, d'essayer de voir leurs conditions pour leur trouver quelque chose d'autre. Je sais pas comment t'expliquer, mais c'est... Ces pirates, finalement, s'ils font ça, c'est qu'il y a une raison. Et que... Une fois, j'avais fait une enquête où on allait à la source et on montrait cette situation, et puis en demandant, bah, y a pas quelque chose à faire, et leur montrer bah, une planète qui est disponible pour eux, tu sais, qui est libre, qui leur convient. Faut-il que ça les intéresse? Oui, parce qu'il faut qu'ils puissent se nourrir sur cette planète, quoi. Et si Dolores peut nous montrer où ce reptilien qui est face à vous, c'est tous ces bons côtés, ce qu'ils peuvent nous apporter de positif. En fait, la problématique, elle vient quand même de nous, hein, principalement. C'est notre focus. Alors, je ne dis pas que, tu vois, il n'y a pas des problématiques, hein, mais actuellement, en tout cas, elle me dit qu'il y a trop de focus. C'était plus la peine. C'est plus la peine de focaliser là-dessus. Il y a un moment donné, il n'y avait pas de souci d'avoir un focus sur eux. Mais là, elle me dit qu'effectivement, ça peut passer à autre chose. Et puis, ça nous, c'est vraiment une réflexion sur nous. Hein. Tu vois, je veux vraiment, ça a une résonance avec nous. Donc, il y a autant une réflexion sur eux que sur nous, en fait. Là où c'est complexe. Parce que c'est comme si, en fait, alors on sort du sujet du cerveau reptilien, mais plus se trouver des coupables, c'est à cause d'eux. Ouais, peu importe qui, hein. C'est comme si ça nous met dans une position de victime au lieu de nous mettre dans une position de créateur. C'est votre ego. Est-ce qu'ils ne sont pas en partie là aussi pour mettre en miroir ces peurs, ce que l'on a en nous et ce que l'on a aussi à travailler et à libérer? Une façon que nous, on peut avoir de les apercevoir sur le plan éthérique, est-ce que ce n'est pas une façon de mettre en lumière ce que la personne ou ce que l'on perçoit sur la personne qu'elle a besoin de libérer, peut-être de travailler? Car s'ils apparaissent, c'est qu'il y a une raison. Alors, oui et non. Oui, mais au bout d'un moment, ça n'a plus lieu d'être. Oui. Dans un premier temps, oui. J'ai expliqué ça. Je trouve ça très complexe comme sujet. Oui, moi aussi. Je ne sais pas si on va le rendre un peu plus fluide. Parce que... Non, parce qu'en fait, si on simplifie trop, ce sera mal compris et inversé dans la perception. Même, tu vois, juste le fait d'avoir qu'elle nous présente un reptilien, bah, tu vois, t'es là. Bah non, c'est les méchants, quoi. Je sais pas comment t'expliquer, c'est comme si dans Star Wars, effectivement, t'as Luke Skywalker qui t'amène Dark Vador et qui dit, mais en fait, on est très copains. Quoi ? Bah non, c'est pas possible. Alors, ils sont pas très copains, si tu veux, mais en fait, il y a quelque chose à en comprendre et à en apprendre de cette situation-là. Tu vois, elle aime bien mettre les pieds dans le plat, bah, c'est ce qu'elle fait. Et si tu lui demandes simplement qu'est-ce qu'on a à comprendre et à apprendre de ça, c'est quelque part accepter qu'on a aussi on a ce côté aussi reptilien en nous. On a aussi nos parts d'ombre. Et quelque part, ouais. De les accepter, c'est accepter de les travailler, de s'en libérer. Elle me dit d'un côté, eux, ils changeront jamais. C'est-à-dire que c'est un leurre de notre part de penser qu'ils puissent arrêter de se nourrir de ce qu'ils ont à se nourrir, en fait. Donc, il y a une solution, ce serait de les dévier, de les envoyer ailleurs. Mais tu ne peux pas les combattre ou les faire les raisonner, en fait.
elle montre des. C'est comme une calamité, une plaie, en fait, c'est cette faction-là de d'êtres qui veulent absolument. Ce sont comme des junkies énergétiques qui. Ils sont pas raisonnables, en fait. Est-ce qu'une des clés, c'est de travailler sur nous? Forcément, oui, mais de travailler peut-être à libérer nos peurs pour qu'ils aient moins d'emprise sur nous et qu'on puisse les alimenter moins facilement. Parce C'est qu'on au-delà, dit c'est qu'il y en a de bizarre. moins en moins quand même aussi. Donc, c'est au-delà, tu dis, au-delà de ça. Sais pas, ouais, c'est plus du tout dans cet esprit psychologique. C'est comme s'il y avait un switch à un moment et que là, avec notre réflexion, on ne pouvait pas le comprendre. Alors avec notre réflexion, on ne peut pas le comprendre. On sent qu'il y a une densité, que c'est lourd, que ce n'est pas un sujet simple. Comment est-ce qu'on pourrait le rendre plus fluide, plus accessible? Elle dit, si ils nous embêtent, c'est qu'ils ont le droit de nous embêter. Pourquoi? S'ils nous embêtent, c'est qu'ils ont le droit de nous embêter. Donc, ils ont le droit pour quelle raison? Et pour quelle raison ils vont choisir plutôt telle personne que telle autre? Non, ils ont le droit d'embêter tout le monde, Tout le monde. tous les humains. Pourquoi? Pourquoi sur d'autres planètes, ils n'ont pas le droit? Il dit que ce n'est pas la source qui a décidé de donner le droit. Donc c'est nous qui avons donné ce droit. On a donné notre accord. Non. En fait, c'est très bizarre parce que j'ai l'impression que Dolores Cannon, elle te parle à toi, en fait. Est en train de me parler. Ça devient Enfin, pas à quel. fluide. Ouais, mais c'est comme si, je sais pas, hein, comme si elle faisait exprès justement de te faire tourner en rond ou te faire chercher. Ouais. Alors, peut-être il faut qu'on te demande à toi, je ne sais pas, moi. Ouais, demande-moi, vas-y, pose la question. Peut-être que ma partie éthérique aura des réponses à t'apporter. Je vois, c'est marrant, parce que tu me montres que t'avais comme une grande cape que tu as enlevée et tu as une queue de reptilien qui apparaît. Et c'est comme si tu t'adossais à cette queue. Ça te permettait de te poser, ça montre. Tu vois, tu as les bras croisés et tu me montres, bah, ça me permet de me poser, en fait, d'être stable. C'est ce que tu me montres. Pense pas que ce soit que tu sois une reptilienne. Mais c'est un peu bizarre parce que tu la regardes du coin de l'œil. T'es pas en face d'elle. En face. Me dit que vous partagez un truc en commun. Et ça a un lien avec les reptiles. Que t'as pas été une reptile justement avant? Je sais pas cette notion-là. Pose-moi la question, peut-être, dans les terres, peut-être que pose la question à Dolores. Je me demande si elle n'a pas été de l'autre côté avant d'être de notre côté, Dolores. Donc elle aurait été une reptilienne avant de s'incarner sur Terre. En tout cas, là, ce qu'elle me montre, je ne sais pas si c'est elle ou pas, je sais pas si. Mais je vois un reptile dans un vaisseau avec une cape. En mode, ça fait très Stargate ou très. Et Florent et Vincent, qu'est-ce que vous avez? Moi, je ressens, c'est comme si c'était ses enfants.
Alors après, je ne sais pas si c'est ses enfants parce qu'elle a travaillé avec elle ou si c'est vraiment, elle ressent ça en elle, en fait. Les reptiliens, ce sont ses enfants. Ses enfants, dans le sens où elle les a un peu acceptés chez elle, étudiés, tu vois, dans ce sens-là, en fait. Mais je ne sais pas si ce sont, après, il y a des liens par rapport à eux. Mais de les avoir en tout cas étudiés, il y a comme des liens, en fait, qui, je vois, qui se sont créés. Ce qui fait qu'elle a été capable de voir cette partie évolutive du reptilien. On peut parler de partie évolutive. On parle de tous Cette ces partie reptiliens plus lumineuse. qui ont changé de camp, qui D'accord. étaient justement du mauvais côté, qui sont revenus en arrière et qui ont fait rédemption en fait. Pour quelle raison j'avais une cape? Est-ce que tu peux me poser la question? Pourquoi est-ce que j'ai une cape? Tu veux pas montrer quelque chose? Alors, est-ce que ça a un lien avec cette queue de reptilien? Est-ce que ça a un lien avec le sujet? Dit oui. Ok, est-ce que ma partie supérieure veut bien me donner les réponses? Pour libérer là ce qui me pèse, parce que ça me pèse, quoi. Quand on, en fait, ça me pose la question, quand on parle de reptilien, ça résonne comment en fait en toi? Ben pour moi, au départ, toutes ces histoires de reptiliens, ça résonnait pas franchement. Après, à un moment donné, j'ai cru que les reptiliens, c'était vraiment quelque chose de symbolique qui correspondait aux peurs peut-être plus archaïques de chaque être humain, comme quelque chose qu'on a tous en nous finalement. Et j'ai rarement vu de reptiliens. Enfin, je crois que le seul en dragon que j'ai pu voir, c'est Vincent, qui était un dragon gentil, quoi, qui me faisait genre, comment ça se fait que tu me vois, toi? Mais voilà, donc j'observe pas ces petites bêtes, moi. Mais je les ressens, je peux ressentir des énergies qui vont être plutôt lourdes, denses, quoi. Il y a un point de vue, quoi. C'est comme si, en fait, effectivement, tu étais c'est sur le côté, ça te demandait d'aller en face de Dolores, en fait, tu vois. Cette notion de tourner ton regard quelque part. Même à Mais sur l'intérieur toi, de toi, je vois. moi, je ressens comme une oppression au niveau du sternum, tu sais, sous la cage thoracique. Et en fait, alors j'arrive pas à voir parce que tu montres pas. Et c'est bizarre, je me demande s'il n'y a pas une conscience autre que toi. Est-ce que tu caches quelqu'un? Est-ce que c'est toi que tu caches ou c'est quelque chose? Là, tu me poses la question dans l'éther ou tu veux que je te réponde là? J'en sais rien, moi. Je peux pas avoir Bah, moi, des infos dessus. j'ai pas consciemment l'impression de cacher quelque chose ni quelqu'un, quoi. Après, au contraire, moi, j'aimerais ouvrir ça et libérer ça, quoi. Parce que là, je ressens moi aussi cette pression au niveau de la cage thoracique et je ne sais pas si c'est en lien avec le sujet, si c'est en lien avec Non, autre c'est une chose. mémoire, c'est un truc qu'il faut que tu découvres. Je vois pas une interférence, je vois pas, tu vois, un gros Dracos derrière toi qui se cacherait ou. Mais je vois plutôt un truc que toi tu caches, que tu. Je sens pas que ce soit une interférence, mais plutôt quelque chose qu'il faut que tu découvres et que t'as pas forcément envie de découvrir. Du coup, on a un peu un dialogue de sourds parce que même tu vois, moi je vois Dolores avec à sa droite, tu sais, elle est venue avec un reptilien, mais la dernière fois, elle t'en avait montré deux. Donc Elle avait peut-être on montré peut demander deux à Florent, quoi. où est-ce qu'il est le deuxième? En fait, quand je l'avais vue la première fois, c'était comme si elle s'était assise sur un trône, comme une reine, finalement. Et qu'elle avait deux reptiliens de chaque côté. Et ce que je vous cache, c'est parce que c'est à moi de le découvrir, parce que c'est pas le bon moment.
Parce que. Bah non, justement, là, c'est le bon moment. Ouais, il faut que ça. J'ai aussi l'impression que c'est le bon moment, en fait. C'est marrant, c'est comme s'il fallait que tu accouches de cette vérité. Et nous, on était là en train de regarder. Oui, mais là, je sens, Qu'est-ce par exemple, tu que vois, ça ça? bloque là au niveau de la gorge, là. Là, je sens que c'est en train de remonter au niveau de. Ouais, Tu vois, bah. ça part du sternum, là, ça remonte, mais. En tout cas, moi, dans la matière, là, en 3D, ça ne me semble pas évident ni simple, quoi. Oui, bah, c'est normal. C'est peut-être. N'y a pas d'autre réponse. Ah, ça me montre beaucoup que c'est comme si tu devais capter une autre fréquence. Ça me relie un peu à la musique qu'on entendait tout à l'heure là. C'est comme si tu devais accepter ça pour du coup bah, comprendre quelque chose. Enfin, voilà. Il y avait une acceptation de quelque chose qui va te faire vibrer et puis du coup ça pourra en sortir, en tout cas, enfin, se mettre en conscientisation. Peut-être que tu peux, parce que là, j'arrive pas à te voler des infos, j'ai pas trop envie non plus, mais peut-être qu'on peut jouer, tu sais, à ce jeu de quand tu as un truc sur le front pour essayer de deviner la personne, donc tu es obligé de poser des questions à l'inverse, parce que je pense que ça peut fonctionner. Par exemple, est-ce que, et poser une question et on te dit oui ou non, très simplement, et à force de tourner, bah, ça te se rapprochera peut-être de la réponse. Ok. Donc je vais poser des questions. Est-ce que c'est le bon moment pour conscientiser et libérer là ce qui bloque là au niveau de mon corps? Oui. Est-ce que ça a un lien avec mon activité professionnelle? Pas que. Pas que. Est-ce que je peux savoir ce qui bloque pour accéder? Ça me dit une peur. Une peur. Est-ce que cette peur, elle appartient à cette vie-ci? Elle remonte, mais elle n'était pas d'ici. En tout cas, rien que d'être peur de notre vie, là, je sens que oh, ça travaille là dans le corps. Est-ce que je peux libérer cette peur aujourd'hui? Ouais. Qu'est-ce que je dois savoir sur cette peur? Est-ce qu'elle appartient à un homme, à une femme dans une autre vie? J'étais un homme, une femme, un enfant. Moi, j'ai une réponse. Vas-y. Ça m'a dit, fut un temps, tu étais la peur. C'est intéressant, ça. J'étais la peur, c'est-à-dire que j'étais imprégnée de peur, j'étais l'émotion peur. Non, c'était toi qui l'as. Comment t'expliquer ça? Je te vois comme survolant une zone et puis en répandant la peur tout autour. Avec une mémoire de tyran ou de choses comme ça, quoi. Hein, j'étais à l'origine de la peur, quoi. En tout cas, tu, à un moment, t'en as fait partie. C'est symbolique, hein, mais Ou pas, on c'est ne sait comme si à pas. un moment, dans un scénario particulier, en évoquant ton nom, en te voyant, les gens avaient peur et fuyaient. Et c'est, je les vois comme se pétrifier d'un coup, comme si c'était déjà trop tard pour eux. Il y a de la technologie derrière, parce que je vois plutôt arriver comme avec un vaisseau. C'est comme si là, ça s'apaisait un peu. Et je pense qu'il y a une partie de moi qui, malgré tout, était consciente qu'on peut avoir fait le pire et le meilleur, avoir toutes ces mémoires en nous. Et qu'est-ce qu'il est important que je sache encore par rapport à cette, peut-être à la pire de ces mémoires?
Qu'est-ce qu'il est important que je libère ou que je débloque par rapport à la pire de ces mémoires pour être au mieux aujourd'hui? Je ne sais pas si cette mémoire t'appartient ou pas, mais en tout cas, elle se présente maintenant. Et là, la seule chose que je vois, c'est comme si tu arrivais avec un vaisseau et il y avait une jouissance absolue d'anéantir des villes entières. Et je te vois en mode Mad Max, tu sais, avec les. Et puis tu arrives sur une région et puis je vois les gens comme ce. C'est très joyeux pour toi, tu vois. Ouais. C'est super joyeux. Sais pas si tu as vu le film Convenant, tu sais, d'Alien. Et à un moment, tu as un espèce de vaisseau qui arrive et tous les êtres regardent qu'est-ce qui se passe et puis ils lâchent des trucs, tu sais, et puis ils se pétrifient tous et puis ils disparaissent. C'est un peu ce truc-là d'arriver avec un vaisseau et puis hop, ils sont tous anéantis en fait. Vous mettre les peuples à genoux. Genre, si vous voulez pas le feu. C'est marrant cette notion de joie dans la peur. C'est assez spécial. C'est de la jouissance, tu vois. C'est genre, ils ont tous peur de moi. Tu vois, il y a une sorte de puissance absolue. C'est moi qui leur fais ça. C'est moi qui le contrôle maintenant. Et. Encore une fois, mais c'est à distance, hein. Je dis pas que c'est Oui, toi non, non. Mais directement, mais. quelle est l'importance aussi de conscientiser ça aujourd'hui? Est-ce que c'est justement une façon de pouvoir accepter aussi la jouissance que peuvent éprouver certains dirigeants au Y a sens de ça, ouais. large à contrôler une partie de C'est ça, ouais. l'humanité aujourd'hui? Parce qu'en fait, là, c'est comme si aujourd'hui, tu étais une petite fourmi à réparer. Sur le terrain, tu vois les désastres que en une personne avec le pouvoir puisse détruire, anéantir en une fraction de seconde en fait. T'as la compréhension de, tu vois, t'as un peu la compréhension d'un reptilien finalement. Quand je vois cette, Ouais. tu vois, quand tu vois cette notion que t'as, je vois que t'as cette même quand elle te regardait, Dolores, c'était plutôt par rapport à cette énergie-là, de la compréhension des choses. En tout cas, je vois que ça s'évacue pour toi. Et que c'est ça qu'en fait Dolores, elle voulait te montrer et un peu montrer à tout le monde. Alors, bon, peut-être ça restera entre nous, mais le fait qu'on n'a pas été que des anges, en tout cas, on porte en nous des mémoires qui sont liées à tout ça. Et aussi, on a la capacité. C'est marrant, ça montre les jeux vidéo, tu sais, où tu. Un détachement où tu peux, voilà, comme ça, et puis à la fin, cette expérience devient un jeu vidéo, et paf, tu vas juste, et puis tu, ah, tu vois, je. Tu te fais Non, parce que c'est vachement bien, vraiment ouais. ça. C'est... Oui. Ben non, mais le truc, c'est orgasmique, en fait, pour lui, de tout dégommer, et puis ça, c'est bizarre parce que tout est un peu comme calciné, comme dans Pompéi, tu sais. Et je vois justement, il y a un truc qui, moi, me choque, c'est une maman qui prend son enfant, tu sais, qui part et qui finit avec comme calciné, mais debout Figé, avec son quoi. enfant dans les bras. Et pour nous, c'est une horreur absolue, mais pour cet être, c'est genre, ah, personne m'échappe, tu vois. Et. Ouais, c'est comme si cette jouissance, bah, finalement, elle était un peu en nous. Et ça me montre, tu vois, la sexualité où, bah, si tu te laisses aller dans certains penchants, tu peux aller très très loin dans des trucs horribles, juste pour cette énergie qui est en nous. Oui. Et quand Dolores nous montrait ça aujourd'hui, l'idée c'était d'être vraiment dans le non-jugement et l'acceptation de nos parts sombres. Et que ce cerveau reptilien, cette énergie reptilienne, elle est en chacun de nous. Oui. Que dans tous les cas, on ne peut pas s'en libérer, elle est en nous. Donc on doit. L'idée c'est quoi? De l'accepter et de trouver l'équilibre par rapport à.
à cette part sombre, quoi. Parce qu'on est venu là aussi expérimenter cette dualité, mais rééquilibrer les choses aussi, parce qu'on voit bien que des énergies, on va dire, plus négatives ou sombres sont quand même présentes là aujourd'hui sur cette planète. Et, je sens que c'est une expérimentation, mais on a trop de règles samedi. Du fait qu'on ait trop de règles, on n'est pas dans notre expérimentation. Parce que finalement, on a l'impression que si on expérimentait notre côté reptilien, ça serait horrible. Mais l'expérimenter juste sans règles et juste avec nous-mêmes, en fait, c'est trouver notre équilibre. C'est pas du tout être dans ce qu'on pourrait dire dans le truc négatif. Ça me renvoie à Franck Lobvé qui dit « Je m'autorise à être un gros con. Mmh. » Aussi. De temps en temps, quoi. Ouais. Ça montre que si tu te bats trop contre ces aspects un peu primitifs, tu es toujours dans la tension perpétuelle. Il faut juste l'accepter et arriver à pas porter son attention plus que ça dessus, en fait. Alors attends, comment expliquer ça? Bon, ça va montrer la sexualité parce que c'est vraiment basique et ça parlera à tout le monde. Mais en fait, si tu te laisses aller dans ce côté trop primitif, je sais pas, c'est comme s'il y avait une déviance en fait dans ce côté. Quand tu rajoutes ce pouvoir à l'intérieur de ce côté primitif, tu vois, il peut y avoir le côté dominant aussi à ce moment-là, qu'on peut retrouver ouais, aussi ça, dans la sexualité à un moment donné. Soit au niveau de la sexualité, ça va être harmonieux, équilibré. Le côté déviant, on peut retrouver ce côté dominant. Ouais. Et tu vois, par exemple, c'est normal d'avoir des envies, des pulsions sexuelles, mais ça me montre, tu vois, tout ce côté, comment dire, tu sais, les films pornographiques où tu as trois hommes sur une femme, ils font des coups et tout ça, et puis je dis, mais qu'est-ce que c'est que c'est quoi ça, en fait? Et je vois cette même jouissance que je voyais, tu sais, à bord de ce vaisseau-là, de pouvoir mettre plus bas que terre quelqu'un. Donc, il n'y a pas juste le côté charnel, mais plus le côté, à travers le côté charnel, un côté de soumettre l'autre, de le réduire à rien. Pour connaître cette sensation de jouissance, en fait. C'est plus pour expérimenter ce côté très jouissif de la chose. Du pouvoir, de l'autorité. On peut très bien être dans un autre rapport, par exemple, pour être encore très simple, juste avec la sexualité, où il y aurait par exemple un film où il y a une histoire justement d'amour. Bon, tu vois, je pense que sur les pornos, maintenant, il n'y a même plus d'histoire, mais de quelque chose de très beau ou de... Je sais pas comment expliquer, en fait. Romantique. C'est... Ouais, et toujours être dans ce besoin qui est là d'assouvir une envie, il n'y a pas de problème. Le truc, c'est pas de... C'est où tu mets le curseur. J'ai du mal à expliquer, en fait. Pourtant, ça me paraît très clair dans ce que je vois. Mais est-ce que tu l'orientes vers, effectivement, moi, je mets de ce rapport de force, ou alors est-ce que je mets quelque chose de gros, de beau dans tout cela? Tu sais, une fois, on avait parlé, je ne sais plus avec qui, de supplément d'âme. Je crois que justement que c'était avec Vincent. Rajouter un supplément d'âme dans ce que l'on fait. Et par exemple, si tu manges, bah, tu rajoutes ce supplément d'âme de ce que tu vas vraiment consommer, et pas juste être vite fait, voilà, et puis... Être dans l'instant, dans la conscientisation de ce que tu fais, quoi. Pleinement dans ce que tu fais, ouais, tu mets de ce supplément d'âme. En fait, quelque chose qui peut être un besoin primaire dans quelque chose qui peut tendre vers le magnifique. Mmh. Ok. D'accord. Est-ce que Dolores a autre chose à nous dire? Il faut qu'on aille regarder les repentis. Les repentis.
Tous ces êtres qui, jadis ou il n'y a pas très longtemps, exploitaient en fait les humains pour savoir pourquoi ils sont partis, qu'on peut trouver de grands enseignements là-dedans. Pas pour nous, mais pour se libérer d'eux. Ok. Est-ce qu'il y a des repentis actuellement incarnés sur cette planète? Oui, il y en a plein. Dis, oui, il y en a beaucoup, beaucoup. C'est comme si une partie, justement, des volontaires étaient Étaient des des... repentis. Ouais. Et que ces Et que repentis-là de... peuvent nous apprendre et nous aider à... Ouais, c'est marrant parce que à chaque fois que je regarde ce sujet des volontaires, ça montre tout le temps du doigt, tu sais, tous ceux qui vont s'incarner là où, dans le côté sombre, et qui vont justement être infiltrés dans toutes les organisations assez sombres pour pouvoir les démanteler de l'intérieur. Et c'est comme si ces êtres qui connaissaient déjà le fonctionnement, et après changeaient de côté, étaient extrêmement importants, plus que, entre guillemets, plus que des êtres qui viendraient directement de la source et qui seraient radieux et lumineux. Parce que peut-être il y a un côté très naïf aussi de ne pas comprendre et même d'être. Et je vois que c'est un truc qui est en moi, par exemple, d'être trop presque gentil ou naïf et de se dire, mais les gens, tu sais, ou ces êtres-là finiront bien par changer. Alors qu'en fait, mais non, ils vont faire semblant qu'ils vont changer pour encore plus nous la mettre à l'envers. Alors que d'autres le savent, en fait, savent leur fonctionnement, savent que certains, ils changeront jamais. Et qu'on ne peut pas être gentil avec eux parce que ils seront jamais, enfin, ils comprendront jamais. Ça montre le principe comme d'une prison. Si tu veux, tu peux les mettre autant de temps, ils sortiront, ils referont la même chose. N'ont pas cette capacité d'évoluer ou de se remettre en question et En tout cas, d'évoluer, tout pas simplement. Pas dans notre cette action ne pourra pas incarnation. changer leur action. Pour certains, oui. Mais Thalie, j'ai eu une information en revenant qui est intéressante, c'est que apparemment tu t'étais incarné de l'autre côté pour les, comme tu vois, faire ce travail-là de les démanteler en se disant, bah attends, si je suis chez eux, si tu veux, et ben en fait je vais les empêcher de l'intérieur d'agir, si tu veux. Et c'est comme si une partie du message c'était que, ben en fait tu pensais que t'allais faire ça, mais que en fait bah tu t'es fait happer par les énergies et que tu t'es devenu comme eux en fait. Comme quelqu'un qui irait, je sais pas, s'incarner du côté nazi en se disant, moi je serai jamais un nazi, et puis tu vois, je vais ne pas obéir aux ordres, Oh, ouais, détourner un voilà. bataillon entier, tu vois, et en fait il se retrouve à être un nazi comme les autres, et puis à ordonner de tirer sur des civils, tu vois.